Yo les potos, ça va ou quoi? On est là, on se retrouve pour une petite vidéo sur Red Dead Redemption 2 les potos. Donc comme vous savez, je vous ai fait une petite série sur des astuces et des secrets sur Red Dead. Car j'aime bien Red Dead et découvrir tout l'univers, il y a tellement de trucs différents. Et énormément d'ailleurs, que j'ai envie de tout vous faire voir en vidéo. Tout vous faire en vidéo. La vidéo d'aujourd'hui c'est une petite astuce, ce sera pas un secret. C'est une maison à éviter, c'est une maison tenue par un couple vraiment vraiment bizarre. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Cette maison se situe juste là. La localisation, je vous la fais voir tout de suite. Tout au début de la map, vous avez vu, au-dessus de Blue White Marsh. Hop, vous allez là. Au-dessus de là, du chemin ferré. Et il y a une petite maison. Je vais vous faire voir pourquoi je vous dis qu'elle est un petit peu bizarre cette maison les amis. Mais le couple est vraiment 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 étrange. Vous me dites si c'est pour les prochaines vidéos Red Dead. Si vous aimeriez que j'incruste ma tête, genre la caméra, en facecam. Vous avez vu, je suis à peine arrivé ici, on est déjà en train de me parler. Donc on va aller le voir, je vais vous faire voir un petit peu. Quand vous tombez dans le guet-apens, parce qu'on pourra dire que c'est un guet-apens. Oh, une fille et un mec. Vous allez voir, ils sont étranges. Je vais mettre en première personne parce que ça va être mieux. Le big boy déjà, heureusement qu'il a réussi à trouver une salopette à sa taille quand même. Oula. Donc vous avez vu, ils m'ont proposé à venir manger et boire un coup les amis. Et là, sa femme est partie se faire une petite beauté. On se demande pourquoi, le mec il s'en fout. Il s'empresse à venir ouvrir la bouteille, à aller ouvrir la bouteille. Bon, on va rentrer. Habituellement, faut pas rentrer les amis, hein. Ne pas parler aux inconnus ou rentrer chez des inconnus parce que vous allez voir ce qui va vous arriver sinon. Bonjour. Oh, c'est là pour boire un coup. Et ça sert à rien de fouiller la maison tout de suite les amis ou... Essayez de voler, vous pourrez le refaire après, vous inquiétez pas. Donc vous prenez pas la tête à tout fouiller, aller à l'étage et tout, vous pouvez le faire après. Tu m'étonnes que le sol y grince, mec. Tu pèses pas 50 kills, hein. On va s'asseoir, les amis. Hop. C'est parti. Je parle pas trop pendant le cinématique, histoire que vous êtes vraiment dedans. A-t-il fait de la bouffe empoisonnée? Non, c'est pas ça les potos. Ce n'est pas la nourriture. Ah la gueule. Putain. Oh là, ils sont bizarres. Puis pour faire des trucs bizarres avec la viande, hein, moi je me demande s'ils ont pas tué leurs parents. Je crois que c'est des frères et sœurs qui ont tué leurs parents. Puisque t'as vu, ils disent bien la viande est tendre. Ils refont voir la viande, tout. Ils insistent. Non, ma petite dame, là j'ai un petit coup dans le cabossa. Je vais plutôt rentrer. Non, on va faire voir que quand on boit, comment ça se passe. Un petit canon pour la route, comme dirait le Glaude. Donc du coup, ça c'est un frère et une sœur. Et je crois qu'ils ont buté leurs parents. Putain, j'ai à peine de finir mon verre qui m'en resserve un autre. Voilà, on va s'en reboire un autre hein, si on peut.
Oh là 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 là. Ah voilà, vous avez vu les amis? Hop là. C'est pas trop tôt, nanani nanana. C'est un guet-apens. Et vous avez vu ce qu'ils m'ont enlevé? Ils m'ont piqué mes 16 000 dollars. Ah. Tu te réveilles, t'as un mort sur toi. Et regardez, moins 12 383 dollars. Le délire. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas aller... Oh là là, c'est chasseur de primes. Vous avez juste besoin de retourner là-bas. Et vous voulez vous leur niquer leur race. Désolé pour le terme, mais là, vu ce qu'ils m'ont fait, je pense qu'ils ont le droit. Ils auraient dû te faire réapparaître beaucoup plus loin. T'aurais réapparu beaucoup plus loin. T'aurais pas été retourné chercher les 12 000 dollars. Mais vous avez vu? Là après t'es à poil gros. Si tu laisses ta sauvegarde automatique ou quoi que ce soit, hop, t'as plus d'argent. Donc, et qu'est-ce qu'il a lui? Je vais me faire chasser par un cerf en même temps de la vidéo quoi. J'y arrive quoi lui? C'est bizarre. Bon, voilà la mise en question. Est-ce que je rentre armé ou pas les potos? Je vais mettre mon œil à fond. Bon, je vous fais voir quand on y retourne. Parce que là, ils savent que j'ai grillé et qu'ils m'ont pété à mes 12 000 balles. Salut! Où est-ce qu'ils sont? Mais ils sont où? Parce que j'ai déjà été dans cette maison là les amis. Normalement... Oh, c'est bizarre. Normalement t'as le mec il est là-haut. Et puis t'as la meuf à t'accueil avec un couteau direct. Bah, y'a personne. Bizarre. Ne vous inquiétez pas, je sais où qui sont les 12 000 balles. Je vais re-rentrer parce qu'on sait jamais. C'est bizarre qu'il n'y a pas la gadji avec son couteau qui te saute dessus. Ouais, normalement il y a une meuf, elle est juste là. Elle te saute dessus avec un couteau. Tu envoies deux balles dans la cabeça. Et après t'as le big boy qui arrive, il est là-haut. Ouais, c'est bizarre. Bon les amis, on va fouiller, je vais vous faire voir où est-ce que se trouve votre argent qu'ils vous ont volé. Donc voilà, retenez bien, ne pas rentrer dans cette maison, c'est vraiment une petite astuce. Sur Red Dead, de toute façon ça va être que des vidéos secrets ou astuces. Donc vos 12 000 dollars, ils se trouvent là. D'être la tête de leur mère avant. Donc vos 12 000 dollars, enfin moi j'avais 12 000. Juste là les amis, donc paniquez pas. Vous reprenez exactement tout ce qui vous ont volé. Je crois même qu'ils m'ont rajouté quelques dollars parce que j'avais 12 386. Nickel, voilà les amis. Donc sur ce, la vidéo, je vous laisse encore une petite minute ou deux. Je regarde quelques petits trucs si je vois des portraits de famille ou quoi. Pour voir un petit peu s'ils sont bien frères et sœurs. Parce qu'on va faire des petites enquêtes et tout sur Red Dead. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, les potos, plein d'astuces, plein de secrets. Donc là, l'astuce de ce jour, c'est ne pas rentrer dans cette maison-là. Sinon, il vous arrive du sale. Il n'y a pas un petit portrait de famille, il n'y a rien. Voilà, je fouillerai le meuble tout seul, les potos. Je ne vais pas vous faire voir en vidéo quand je fouille le meuble, ça va être beaucoup trop long pour vous. Là j'attends juste de voir si je trouve à l'étage un petit portrait de famille et je vous dis au revoir directement. J'aimerais bien savoir si son frère et soeur.
Tu vois, j'en ai un là. C'est à eux. Voilà les potos. On a réglé l'enquête. C'est des frères et sœurs. C'est des frères et sœurs. Parce que bizarrement, ils étaient un gars et une fille. Et ils ont parlé de leurs parents qu'ils ont été tués. Nanana. Hop, vous avez vu sur leur visage. Pam. Deux traits. Et que sur eux. Voilà. Nickel. Retournez. En 1818. Et voilà les potos. On a réglé le souci. C'était bien un couple. Un couple. C'était bien des frères et sœurs qui sont devenus un couple. Et qui sont devenus... étrangement étrange comme on dit dans le milieu. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Bonne fin de soirée, bonne fin de matinée, bonne fin de journée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Fouillez bien la maison parce que vous avez quelques petits trucs à vous faire. Je crois que même qu'il y a un lingot d'or. Merci à vous et n'oubliez pas, n'allez surtout pas voir ce couple et boire un coup d'apéro. Tchuss tchuss la famille.